Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la chambre d'hôtel la plus chère du monde? Eh bien, vous pouvez oublier les escapades de week-end typiques à 200 ou 500 dollars la nuit. Car celles qui figurent sur cette liste commencent à 60 000 dollars la nuit. Les chambres d'hôtel classiques sont généralement équipées des commodités de base nécessaires au confort des visiteurs. Mais certaines chambres d'hôtel dépassent les besoins de base et offrent le luxe. Cependant, aussi agréable qu'il puisse être, le luxe n'est pas donné, il a un prix énorme. Si l'argent ne peut pas acheter le bonheur, il peut néanmoins vous offrir des moments privilégiés dans l'une des plus luxueuses chambres d'hôtel du monde. Alors, si l'argent ne vous fait pas défaut et que vous recherchez votre prochaine escapade de luxe, voici 5 chambres d'hôtel les plus chères du monde. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. Bon visionnage! Luxy. Le penthouse Ty Warner de l'hôtel Four Seasons de New York ouvre ce classement. Cette luxueuse suite d'hôtel coûte environ 60 000 dollars la nuit. Située au dernier étage de l'immeuble, cette suite de 400 mètres carrés a coûté environ 50 millions de dollars. Elle offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville et comporte 4 balcons en verre donnant sur des quartiers chics et le centre-ville de New York. Elle ne comporte qu'une seule chambre à coucher, mais dispose également d'un spa, d'une salle de bain principale en cristal de roche, d'une baignoire panoramique à débordement, d'un ascenseur privé et de Rolls-Royce avec chauffeur. Et si cela ne suffit pas, vous pourrez profiter des massages illimités offerts en prime. Ce penthouse spacieux d'une superficie impressionnante de 9290 m² est disponible 75 000 $ la nuit et occupe les deux derniers étages du Mark Hotel. Il comprend 5 chambres, 6 salles de bain, 4 cheminées, 2 bars, 2 salles d'eau et un grand salon ouvert. La terrasse de 250 m² qui offre une vue panoramique sur Central Park est peut-être l'une des plus belles caractéristiques de ce penthouse. Si vous souhaitez jouer les rois et reines de New York pendant un certain temps, vous savez désormais où réserver. Avant que le prix de 80 000 $ la nuit pour la suite Royal Penthouse de l'hôtel President Wilson ne vous laisse pantois, pensez d'abord au nom prestigieux de l'hôtel, à la superficie de plus de 1672 m² du penthouse, au salon de 232 m², aux 12 chambres et aux 12 salles de bain avec leurs jacuzzi respectifs. Le Royal Penthouse occupe tout le 8e étage de l'hôtel et offre une vue panoramique sur le lac Léman et le Mont Blanc. Et tout cela est accessible par votre propre ascenseur privé. Outre le mobilier luxueux et les vues, vous bénéficiez d'un assistant personnel, d'un chef privé et d'un majordome. La suite Empathy du Palms à Las Vegas est la deuxième chambre d'hôtel la plus chère du monde, avec un prix de 100 000 $ la nuit. Pour ce prix, vous avez 2 chambres principales, des tables de massage, un jacuzzi, une salle de relaxation et une visite privée de la collection d'art et des équipements de la propriété. C'est assez difficile de penser que l'on puisse payer une somme pareille pour passer une nuit dans un hôtel. Cependant, vu les équipements luxueux, le service exceptionnel du majordome et la piscine à débordement avec vue sur Las Vegas Boulevard, on peut se montrer un peu moins regardant sur le prix. À 150 000 $ la nuit, le Lover's Deep est la chambre d'hôtel la plus chère du monde. Il s'agit d'une expérience différente des autres hôtels de la liste, puisqu'il faut aller sous l'eau dans un sous-marin. Cette expérience comprend un hébergement 5 étoiles, un capitaine, un chef cuisinier et un majordome privé. Des transferts en bateau rapides depuis et vers le sous-marin, ainsi que des options supplémentaires, comme des transferts en hélicoptère, des débarquements sur la plage et des petits déjeuners au champagne. Par ailleurs, il est possible de modifier le voyage en fonction de vos préférences si vous le souhaitez. Voilà une expérience qui sera sans doute inoubliable. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt, portez-vous bien.